téléspectateurs, vous êtes sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Philippe Yvelou, avocat au barreau de Nice, pour notre reprise. Donc c'est la rentrée pour nous également. Bonjour Maître Philippe Yvelou. Oui, bonjour cher ami Minga. Alors, donc on est aujourd'hui sur Congo Liberty. J'avoue que c'est un privilège que vous soyez avec nous, qu'on entende un peu quelle est votre vision sur le Congo-Brazzaville, y compris de la diaspora congolaise en France et à l'étranger. Monsieur Philippe Yvelou, lorsque j'entends parler de Yvelou, je pense au président Fulbert Yvelou. Est-ce qu'il y a une filiation avec vous? S'agissant donc de mon nom, patronyme, Yvelou, mon prénom c'est Philippe. En effet, mais ça c'est, j'allais dire, c'est tellement, enfin, cela va de soi. Yvelou, effectivement, j'ai une filiation biologique avec Fulbert Yvelou. Mais bon, je ne m'étends pas là-dessus. Si j'ai des points de vue à donner sur le Congo, ça n'a absolument rien à voir ni avec mon aspect biologique, ma filiation biologique. Je donnerai un point de vue personnel qui concerne la situation des Congolais. Alors, sur la diaspora, je ne dirais pas de... Je n'ai rien à dire là-dessus. Chacun a son engagement, chacun a sa vision sur ce qu'il entend apporter pour les Congolais. Le président Fulbert Yvelou, le président Jacques Oppango ont été les pères de l'indépendance congolaise. Aujourd'hui, un peu plus de 61 ans d'indépendance. Est-ce que vous pensez que cette indépendance que les pères fondateurs Fulbert Yvelou et Jacques Oppango, il y en a d'autres aussi, hein. Il y a Massamba Déba, il y a les Yegaboka, ils sont nombreux, mais on retient souvent le président Fulbert Yvelou et Jacques Oppango. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette indépendance-là est une indépendance factice que ces pères de l'indépendance avaient obtenue ou il y avait un prolongement qui n'a pas été ensuite pris en compte par les générations qui ont suivi? Vous avez interrogé sur les pères de l'indépendance. Les pères de l'indépendance ont mis au cœur de leur détermination, l'unité de tous les Congolais, l'unité nationale. Et ils avaient à chacun d'eux, malgré leur dogme qu'ils ont mis de côté, ils ont entrepris la raison, l'intelligence, la volonté de réunir les Congolais. Et c'est ça qui fait que, et moi, en tant qu'y est venu plus tard après, tant je m'attache, tant je m'appuie sur ce que j'appelle la tradition républicaine, je m'appuie sur les idéaux, nos idéaux. Alors, il y a eu cet espace que nous appelons la République. Le contenu d'aujourd'hui, il n'y a pas une république factice. Notre république, cet espace-là, est à nous. Et le contenu, qu'est-ce qui fait que ce genre de questionnement soit soulevé? C'est le contenu qu'on a donné, c'est son contenu qu'on a donné sur cet espace commun. Aujourd'hui, cela nous laisse pantois sur le contenu d'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que, est-ce qu'il fallait continuer à vivre dans la soumission, donc, c'est-à-dire la colonisation, ou il fallait être libre? Et qu'est-ce qu'un peuple libre? Qu'est-ce que nous appellerons un peuple libre? Eh bien, un peuple libre, c'est en fonction du contenu qu'on donne à la République, en fonction de ce qu'on peut appeler une politique juste, qui fera que ces citoyens, la notion de citoyenneté n'est pas encore, les conditions, les critères de la notion de citoyenneté n'est pas encore réunie chez nous, mais cet espace, si on avait donné un contenu qu'il fallait, notamment en s'attachant
en s'appuyant sur, comme je l'ai dit, l'intelligence et la volonté des pères de dépendance, on ne serait pas dans la situation d'aujourd'hui. On est dans quelle situation aujourd'hui? Eh bien, la situation, elle est chaotique. Alors, la situation... Quel est le contenu et quelle est la situation, effectivement, puisque vous en parlez? Nous vivons aujourd'hui une situation qui relève d'un autre âge. On a mis en place, notamment le tribalisme. Vous avez cité Fulbert Yulu, vous avez cité M. Opango et bien d'autres. Ne serait-ce que ma vie. Si je suis à Nice, la personne qui m'a fait venir à Nice n'a absolument rien à voir avec la filiation biologique avec Fulbert Yulu. C'est quelqu'un qui vient, il faut parler des régions, et il faut être fier de ces régions, qui est M. Goura Pierre, qui est d'Unyari. Il a été le premier maire à Brazzaville, plutôt à Lubomo, à Dolizy à l'époque. Donc ce monsieur, c'est lui qui m'a fait venir à Nice. Et c'est lui qui a dit, mon fils, il m'appelait tout le temps mon fils, viens me rejoindre à Nice, et c'est ici que tu vas poursuivre tes études. Et c'est ce qui a fait que, malgré qu'il est décédé en 2016, je suis venu à Nice, j'ai fait mes études et je suis resté depuis. Voilà, donc il n'y avait pas une connotation tribale. Et le tribalisme n'existait pas à cette époque. Moi, j'ai sillonné un petit peu le Congo. J'étais à Madingou, j'étais à Sibiti avant que je vienne en France. J'étais à Gamboma et je n'ai pas ressenti le rejet de ces gens originaires de ces lieux. Alors le tribalisme aujourd'hui est devenu un concept. On nous parle du Congo Sud, Congo Nord, etc. Donc, le contenu, c'est son contenu aujourd'hui qu'on a fait par contenu. Il y a des institutions, mais à travers les institutions, qui anime les institutions? C'est des humains. Et donc, la manière qu'ils traduisent ces institutions nous laisse fait de telle sorte que les Congolais en souffrent. Je parlais de la solidarité. Mais on va y revenir. Je vous en prie. Fulbert Yulu. Je vous en prie. Non, Philippe Yulu. Philippe Yulu, vous comprendrez un peu le lapsus. Mais bon, je vous en prie. Peut-être qu'un Yulu peut en cacher un autre, hein, qui sait. Alors, vous parlez du contenu. Très clairement, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Je sais que vous n'aimez pas trop évoquer ce monsieur, ok, on va dire ça comme ça, mais vous parlez du contenu. Est-ce à dire qu'il a tribalisé le pays aujourd'hui? Le pays est tribalisé, vous n'avez pas voulu vous étendre sur la politique de M. Denis Sassou Nguesso parce que cela, j'imagine, vous répugne. Alors, vous avez aussi parlé du Congo Sud ou de choses comme ça. Vous êtes quand même originaire de quelque part, c'est-à-dire du sud du pays. Beaucoup de sudistes, est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette démarche pour certains de la scission du pays carrément? Est-ce que vous y adhérez puisque vous êtes du sud ou vous avez une autre démarche? Je suis un enfant de la République et je m'appuie sur la tradition républicaine. Je ne suis pas pour la scission. Il n'y a pas de fatalisme dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes plus ou moins, nous participons en tout cas à consolider ceux qui règnent et qui ne gouvernent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque les Congolais vraiment seront sérieux dans leur démarche, ceux dont vous avez cité, on va les écarter. Lorsqu'ils seront sérieux, ils seront écartés. Si aujourd'hui nous sommes tous incarcérés, moi je considère ça, ce que nous vivons, c'est une forme d'incarcération. Il y a ceux qui sont dans les établissements pénitentiaires, comme le cas du général Mokoko et bien d'autres, et à nous qui sommes à l'étranger. Et à nous donc qui sommes à l'étranger, nous sommes aussi... C'est une forme d'incarcération. Et lorsque ces savoirs, lorsque ces atouts, lorsque il y aura
une détermination de quelques-uns, ils seront écartés. Et donc, je ne suis pas pour la division du Congo. Je ne suis pas pour la division ni du nord, ni du sud. Mais est-ce que vous comprenez, maître, je vais peut-être me faire oui, un peu je vous en prie. L'avocat de ceux qui défendent ces théories-là, en particulier Robert Poitiers-Pongo, qui est allé le père de la sécession. Aujourd'hui, vous avez une autre frange, hein, celle de Edim Kayi, de M. Pongi au Canada, qui milite pour l'union des Congos. On les salue d'ailleurs en passant. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Absolument. Au vu de la tribalisation Absolument. Du pays dans les postes de nomination, et pire, on a vu un génocide de M. Denis Sassou Nguesso dans la région du Poule du Congo. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui Absolument. Que c'est certains ressortissants de ces régions demandent tout simplement la scission? Vous êtes avocat, tous les jours, vous voyez dans les tribunaux des divorces, donc la scission est aussi un cheminement que vous pouvez comprendre. Très bien. Je le comprends. Je comprends leur désarroi. Je comprends ce désarroi. Mais c'est à nous, en tout cas dans la démarche qui est la mienne, je ne rentre pas dans le cadre de la scission. J'aimerais que ces énergies s'unissent et pour travailler, mais vraiment travailler avec, en mettant tout le sérieux possible pour les écarter. Regardez, aujourd'hui, nous avons un exemple. C'est le cas des talibans qui a été chassé, qui a travaillé à l'extérieur et qui vient de chasser la grande puissance. Donc, ce qui nous manque, c'est le travail, c'est le sérieux. Le jour où les Congolais seront réellement sérieux, eh bien, monsieur, j'allais dire, monsieur Sassou, bon, lui, il est sur le point de partir, ne serait-ce que naturellement. Mais ces héritiers ne vont pas résister. Mais lorsque nous continuerons, bon, parce qu'effectivement, je suis conscient de ce qui se passe au Congo, les génocides que vous avez évoqués, nous en sommes responsables. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus. J'avais publié un article dans des revues juridiques sur que j'avais intitulé « À quand la fin de l'impunité ?» Donc, je comprends, le constat, il est là. Mais il faut aller au-delà du constat. Sinon, nous allons continuer à pleurnicher. Allons au-delà donc des pleurs. Travaillons. Soyons beaucoup plus forts. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Le Congo n'est pas seul dans cette planète. Prenons les exemples de comment les autres ont-ils fait pour virer, pour chasser ces dictateurs. J'allais dire, pour ne pas le citer, ce Sassou Nguesso, c'est un petit dictateur. Puisqu'il dirige quoi? Un petit peuple. Combien? 5-6 millions. Mais il y en a qui ont dirigé des peuples. Regardez ce qui s'est passé à l'époque en Amérique du Sud. Il y a eu des dictateurs. Ce qui s'est passé dans des pays de l'Est. Alors, moi, je le considère, eux, comme des petits dictateurs. Alors, moi, je le considère, eux, comme des petits dictateurs. Mais c'est à nous d'être beaucoup plus sérieux. Il n'y a pas de fatalisme dans ce que nous vivons. Il n'y a pas de fatalisme, c'est à nous d'être beaucoup plus sérieux. Oui. Alors, maître Philippe Yulou, je vous en prie. C'est quoi la solution, en fait, là? Eh bien, la solution est simple. Voilà. La solution, c'est dans le travail. Les Congolais s'unissent dans le travail, qu'ils travaillent, et sérieusement. La solution est dans le travail. Une fois qu'ils se retrouvent, qu'ils sont sérieux, et M. Sassou partira. M. Sassou ou les héritiers. En tout cas, ce régime. Il y aura un changement. Tout régime. Vous savez, quelle définition qui disait, c'est Napoléon d'ailleurs, qu'est-ce qu'une révolution? Et il disait que c'est la vanité. Et comment se termine une révolution? Il dit encore par la vanité. Et alors, qu'est-ce que la liberté alors? Et il répondait que la liberté est un prétexte. Voilà. Autrefois,
ont fêté des gens, des hommes, des femmes de qualité. Aujourd'hui, on accueille des gens de quantité. Alors, si nous voulons être la qualité, eh bien, monsieur Sassou partira. Enfin, Sassou, ce régime, on le changera. Il n'y a pas de fatalisme. C'est à nous. Il n'y a pas de fatalisme. Nous allons faire le constat. Tout le monde fait le constat. À chaque fois que vous ouvrez les WhatsApp, on vous dit l'hôpital général, ceci. On a des gens qui sont incarcérés, etc. Ainsi de suite, des génocides. Eh bien, comment faut-il changer? On peut le changer. Mais c'est nous qui pouvons le changer. Ce n'est pas les autres. Hein. Et à chaque fois, on pleure que la France n'a pas fait ceci. Mais non. Le président français, il est élu par les Français pour les intérêts des Français. Le président américain, il a été élu pour les Américains, pour défendre les intérêts des Américains. Nous, nous défendons les nôtres. Alors, maître Philippe Youlou, il y a une notion que j'aimerais que vous expliquiez. Vous dites, monsieur Sassou règne, mais ne gouverne pas. Alors, vous savez que sur Congo Liberty, vous avez tout type de téléspectateurs. On est ici quand même dans des concepts ou juridiques. Expliquez-vous, quelle est la différence entre régner et gouverner dans le cas de M. Sassou Nguesso? Je pourrais, sur ce point, je pense à mon ami que je viens de citer, Rudy Mbemba, avocat de Nice, qui me dit, ben, le Congo, il considère pour lui, et le dit, il l'explicite de manière vraiment, avec l'intelligence qui le caractérise, il dit, le Congo doit être dirigé comme les cinq mains, les cinq doigts de la main, dans toutes les régions. Et vous avez évoqué qu'aujourd'hui, les nominations, les fonctions, etc., sont tribalisées. Nous régnons, ils règnent, ce que j'appelle les règnes, effectivement, puisque s'ils représentent à l'extérieur, même à l'intérieur, entre guillemets, les Congolais. Alors que, dans la vie de tous les jours, les Congolais en souffrent. Or, gouverner, c'est de soulager. J'ai parlé au début, je disais au début que les Congolais, plutôt la solidarité ou la cohésion, ou gouverner, c'est de pouvoir ne pas, pour ceux qui ont des visionnaires, qu'il y ait, travailler à ce que le peuple n'en souffre pas, en tout cas moi. Donc, le constat que nous avons, c'est que le peuple souffre, c'est que le peuple pleure, c'est que nous tous, nous comptons, il y en a qui peuvent dire mieux que moi sur le constat du Congo, mais il y a ceux, entre guillemets, qui le représentent. Donc ils règnent. Et ils sont là, ils règnent. Et ils représentent, j'allais dire, entre guillemets, les Congolais. Donc ils pavanent, ils ont usurpé ce pouvoir, je dis bien, usurpé le pouvoir. L'usurpation est du roi, ne serait-ce que ils ne respectent pas les normes, ils changent des constitutions quand ils veulent, en tout cas pour un juriste, pour moi, je tiens à l'ordre, je tiens à l'autorité, et lorsque quelqu'un vient, et qu'il vienne faire ce qu'il veut, qu'il vienne changer des constitutions comme il veut, qu'il vienne, surtout aujourd'hui, assassiner le peuple, incarcérer sans motif, incarcérer des gens, c'est sans motif. Donc j'appelle ça, pour moi, ils sont là pour régner. Et ils règnent. Et comme il faut. Ils règnent, mais comme il faut, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Voilà. Alors, maître Philippe Youlou, je tenais pour ma part à vous remercier publiquement. Merci beaucoup. Publiquement et sans préjugé aucun. Merci beaucoup. Vous avez toujours été un soutien de Congo Liberty. Vous avez toujours, par vos gestes patriotiques, soutenu
toutes les actions qui étaient menées par Congo Liberty. Et aujourd'hui, Congo Liberty et certains membres de la diaspora, dont vous, organisent une cagnotte pour venir, en tout cas pour répondre à l'aide d'urgence sanitaire des frères qui ont été incarcérés et qui ont été libérés provisoirement, qui sont Christ Ndongi, le docteur Nzabana, vous avez le journaliste Raymond Malunga du journal Sel Piment, et vous avez également M. Jean-Luc Paca, mais il y en a d'autres, hein, nous citons que ces quatre. Nous avons organisé donc une collecte dont vous êtes l'un des co-organisateurs. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dire à ce sujet? Ça fait partie de l'ADN des Congolais. Ce que je fais, ce n'est pas un exploit, ça fait partie. Les Congolais, ils sont solidaires, je vous l'ai dit un peu, en parlant ma modeste vie. Mais vous savez, le premier de la solidarité a commencé, ne serait-ce que l'amicale. Lesquels qui ont animé l'amicale? Ce dont on parle, Matsua. Mais l'amicale est née par la solidarité des uns et des autres, de la quête de ses adhérents et de ses sympathisants. Donc les Congolais ont toujours été ainsi. Même si vous m'évoquez aujourd'hui ceux qui vivent dans le désarroi, qui sollicitent, qui cherchent à diviser le Congo. De toute façon, même si on se retrouvait entre nous du sud ou entre nous du nord, il y aura toujours des problèmes. Là où il y a des individus, là où il y a des gens, ne serait-ce que dans les familles, et ça s'étend dans la société, il y aura des problèmes. Donc, mais la solidarité a toujours été, dans, comme je dis, une motivation des Congolais. Ce que j'ai fait, ce n'est pas un exploit. Je disais qu'il y a plusieurs Congolais, en tout cas même ceux qui sont à l'étranger, qui sont incarcérés par ceux qui règnent. Ils sont incarcérés. Entre ceux qui, réellement qui sont incarcérés dans des établissements pénitentiaires et nous qui sommes, j'allais dire, en liberté, mais ne pensant qu'à une chose, qu'il y ait un vraiment changement. Donc ma participation, vous m'avez fait appel à ce que ceux qui sont été incarcérés, qui sont aujourd'hui, j'espère, en liberté, mais cette liberté, c'est pas réellement une vraie liberté, puisque en sortant, ils doivent se faire soigner. Ils sont malades, ils doivent donc prendre soin d'eux, mais il n'y a pas d'hôpitaux. Ceux qui sont au Congo, ils n'ont pas où aller pour se faire soigner. Donc, ils n'ont pas de revenus, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Donc, c'est pareil comme s'ils étaient, en prison. Ça ne change pas grand-chose pour eux. Peut-être pour nous, ben, la différence, à force d'habiter ici, nous bénéficions d'un certain nombre de droits, mais ceux qui sont là-bas, ils n'en ont pas. Voilà. Donc, et là, lorsqu'ils en ont vraiment les droits, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On vient te le ravir. Donc, ils n'ont pas la possibilité de se faire soigner. On n'a même plus les nouvelles. Je m'interroge chaque fois, je me dis, mais on n'a même plus les nouvelles du général Moukoko. Est-il encore en vie ou il est décédé? Voilà. Donc, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie des Congolais, cette solidarité. Nous devons, venir en aide à ceux qui sont vulnérables. Et à chaque fois que je peux, je participerai à porter un peu ma pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Maître Philippe Youlou. On est dans la très belle ville de Nice. Hein. J'aurais voulu rester, mais bon, il faut que je rentre à Paris. C'est toujours avec plaisir que je reviendrai à Nice. Et vous avez parlé de Maître Rudy Bemba. Maître Rudy Bemba, ça fait 2 ans que j'attends de l'interviewer. J'espère que ça se fera très bientôt. Alors, Maître, quel est votre mot de la fin? Alors, est-ce que dans ce cas, il n'y a pas de mouvement de la fin? Le mot de la fin, c'est lorsque nous arriverons à la fin, lorsque nous écarterons ceux qui sont là, qui ont usurpé ce pays. Alors, donc, il n'y a pas de mot de la fin. Nous continuerons à réfléchir, même si je ne suis pas dans les médias, en plus, pas trop. Mais vous n'aimez pas trop, pour vous dire, chers téléspectateurs, c'est moi qui ai forcé Maître Philippe Youlou
Bon, accorder cette interview. Oui, je préfère travailler dans le silence avec ceux qui sont autour de moi, il y a quelques-uns qui sont là, parce que parler à haute voix, cela ne fait que renforcer un régime qui n'a pas sa raison d'être. Donc je n'aime pas parler à haute voix, j'aime parler en silence avec ceux qui sont avec, avec moi, avec, avec quelques-uns. Et puis, vous êtes les bienvenus. En tout cas, le plaisir est partagé de faire votre connaissance. Vous serez toujours les bienvenus à Nice, quand vous voulez. Et puis, Donc, je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que ce que mes convictions apporteront, apporteront quelque chose aux uns et aux autres. Voilà. Merci beaucoup, Maître Philippe Youlou. À très bientôt sur Congo Liberty. Merci beaucoup. Bonne reprise et bonne rentrée à tous.